on est des façonneurs de métal. C'est-à-dire que de n'importe quel métal qu'on va prendre, que ce soit de l'alu, de l'acier ou de l'inox, on va le façonner à ce que les personnes nous demandent. On peut tout faire avec. La famille, elle est à travers ma sœur, mes parents, mes enfants, mais elle est aussi à travers les gens qui travaillent ici. Et je me dois, le matin, d'être là à 5h30, d'être prêt, parce qu'eux, ils comptent sur moi. Moi, je ne me serais pas vu travailler chez quelqu'un et n'ayant pas la politique que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi nous, on réussit, pourquoi on forme, et pourquoi les gens restent chez nous? Parce que c'est l'être humain, c'est le partage des personnes. Et ce qui est beau dans l'alternance, c'est que tu attrapes des gens qui évoluent positivement. C'est-à-dire qu'au départ, tu les as, c'est pas les plus forts. Et après, ils apprennent à connaître les gens. Ils sont respectés dans l'atelier parce qu'ils respectent les autres. Ils sont respectés à travers leur bon travail. Puis petit à petit, ils grandissent. Et on a vu des gens qui sont arrivés chez nous, que personne n'aurait gardé. Et aujourd'hui, c'est des super compagnons, quoi. La priorité, c'est l'entreprise. La protection de l'être des personnes qui travaillent avec toi. Il faut qu'ils aient les outils, il faut qu'ils aient les moyens, il faut qu'ils puissent te parler, il faut qu'ils te disent « voilà David, il y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas ». C'est ça le rapport avec tes personnes. Et le jour où tu as besoin d'eux, ils sont tous là. Et avec cette société de formation qui est en interne, on peut dire « allez, demain, on fait une formation de 3 jours, on a un partenariat avec l'INRS, on a les formations SST, c'est-à-dire Software Security du Travail ». Donc on a acheté pas mal de produits où on arrive à reproduire des coupures, on arrive à reproduire des choses vraiment réelles. Ils savent que ça peut couper, donc ils font attention. Si on aime son personnel et si on veut travailler longtemps avec lui, on se doit de le faire. L'artisanat, je pense tout de suite à mon papa quand il a démarré, parce que c'était tous des artisans au départ. Aujourd'hui, on est plus basé sur de l'industrie. Où je suis heureux, c'est qu'on a gardé cette politique d'artisan en étant 38. Je suis David Jakubowski et à l'atelier, nous sommes fiers d'être artisans.